Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un micro-trottoir consacré aux élections présidentielles 2022 avec la participation des étudiants de la ville du Havre. Alors, sans plus attendre, on espère que la vidéo va vous plaire et bon visionnage. Est-ce que vous comptez voter ? Oui. Oui. Oui, oui, il faut aller voter. Peut-être. Oui, oui, je compte bien aller voter. Après, savoir qui, je sais pas encore. Oui, je me dis que oui, peut-être. Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. J'ai pas trop le temps. Ok. Moi oui, je vais aller voter. Pour moi, non, parce que je suis un citoyen européen, c'est-à-dire j'ai pas le droit pour voter. Oui. 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 Et vous savez déjà pour qui vous allez aller voter ou pas? Pas vraiment. Non. Pour le moins pire. Ouais, voilà. J'ai une petite idée, mais je suis pas encore sûre. Beaucoup dans le cas où on sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est très compliqué dans le contexte actuel international. J'ai des pistes. Pas trop encore. À peu près. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on prenne en compte le vote blanc? Ah, complètement. Oui, parce que si on fait l'effort d'aller voter et si on vote blanc, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est comme si on élisait un autre choix, donc oui, il faut prendre en compte. Ouais. Enfin, s'il y a un vote blanc, c'est pour une bonne raison, je pense, et il devrait quand même le prendre en considération. On les compte déjà, donc autant que ça sert à quelque chose. En fait, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de candidat qui vraiment correspond à la personne, quoi. C'est important de le prendre en compte, mais je sais pas dans quelle mesure ça peut être fait. Franchement, j'en sais rien. Ouais, j'avoue, je sais pas du tout. Moi, je dirais que oui. Oui, parce que vu les choix qu'il y a aujourd'hui, le vote blanc, ça reflète ce que les gens pensent, et les gens pensent qu'il y en a marre de tous ces politiques, en fait. Donc pour moi, on doit le compter, ouais. Bah, pas vraiment, parce que je trouve que le vote blanc, en fait, tu laisses la possibilité aux autres de choisir, parce que c'est pas vraiment compté. Et après, ça montre que t'aimes pas les candidats, mais bon, y a personne d'autre qui est présenté, donc ça sert un peu à rien, je trouve. Est-ce que tu regardes les sondages ? Non, vraiment pas. Non, généralement, faut regarder le programme, mais pas se fier au sondage, quoi. Non, je me fie pas à ça, je préfère vraiment regarder les programmes et me faire ma propre idée sans être influencé par quoi que ce soit. Non. Non, moi, perso, je m'en fiche des sondages. Non, pas du tout, moi, j'ai pas besoin des sondages, hein. Je vote pour qui j'ai envie. Politique, ça rime avec... Nick. Problème. Bah, je le vis. Tic. Chion. Problème. Ouais, un peu tout ça. Mensonge aussi parfois. Ouais. Très positif tout ça. Ouais. Toujours dans la bonne humeur et super. Fric. Corruption. Corruption, mensonge. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Avoir des convictions et penser à comment organiser les choses et... Ah si, je sais. Ouais, bah le bien de tout le monde, clairement. Ouais, moi j'aurais dit notre organisation de notre société. Bastards.